l'occasion unique d'être le premier d'entre nous à entrer dans le prochain siècle. Personne au monde ne peut approcher un tel niveau de réalisme. Bonjour. C'est incroyable. Je sais pas quoi en penser, James. Ce concept, c'est l'avenir, Sophie. Mes robots feront toutes les choses que vous leur demanderez. Bonjour, Sophie. Ne laissez pas ce robot évoluer trop émotionnellement et trop rapidement. Vous avez l'air stressé, James. Pourquoi vous me demandez ça? Je peux peut-être vous aider. Je vous aime bien, Henry. Si vous le traitez comme une personne, il pourrait se comporter comme tel. Qu'est-ce qui vous fait sourire? Voir que vous êtes heureuse. S'il devait y avoir un problème quelconque, Henry est programmé pour revenir à sa cabine de réglage et se réinitialiser. Quel genre de problèmes peuvent survenir? Des problèmes d'ordre secondaire. Henry. Où suis-je? Vous étiez en train de rêver? Je rêvais que j'étais un humain. Visiblement, il répond à tout ce que tu l'encourages à faire. Vous ressentez le désir sensuel? Voulez-vous que je puisse le ressentir? Parce que ça fait de vous une personne. Fermez les yeux. Alors arrête immédiatement ce que tu fais avant qu'il soit complètement détraqué. C'est peut-être vous qui devriez changer. Je vais résoudre ça tout de suite. Henry, allez tout de suite dans votre cabine de réglage. Pas question, je n'irai pas.